Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 138, psaume chapitre 138, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'ai été invoqué, tu m'as exaucé. Amen. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Amen. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera point la parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. Passera point la parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, il vous donne sa vie. Non, 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 jamais ne passera point la parole de Dieu, jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de l'agneau. Non, 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 jamais ne passera point la parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, que
Que ton nom soit béni, notre Père. Qu'il soit vraiment exalté encore aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir réellement célébrer ton nom et glorifier ton nom et chanter ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce nom nous a délivrés, Père Saint-Dieu. Il nous a vraiment placés dans les hauteurs et nous en sommes bénéficiaires, mon sauveur. Louange et honneur en toi encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir chanter les chants des victoires, les chants des Sion, parce que tu as vaincu, Seigneur. Tu as tout conquis, mon roi. Et nous sommes le peuple le plus heureux, mon roi, parce que les Éternel est notre Dieu. Jésus-Christ, mon roi, je te remercie encore pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore en ces jours, d'être encore dans ta maison, Père Saint-Dieu, de pouvoir y être avec détermination, avec foi, avec assurance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nos cœurs à nous chantent ta gloire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nos âmes se réjouissent encore en ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes ton peuple, mon roi, et nous reconnaissons que nous sommes le troupeau de ton pâturage, que ta main puissante est véritablement bénie et conduite, et puissamment, mon roi, nous sommes un peuple, oh Dieu puissant, toujours bouillant, mon bien-aimé Père Saint. Et nous le serons pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous chanterons la victoire de ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tous les jours de notre vie, Seigneur Jésus. Et nous marcherons toujours heureux, bien-aimé Père Saint-Dieu, étant aussi des conquérants, parce que tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous le sommes. Merci encore pour chaque antique encore chanté, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour chaque prière, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour chaque cœur qui a élevé ton nom à toi aujourd'hui encore, Père. Louange et honneur à toi pour le somme que nous a été lui, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour la bonté que tu nous témoignes encore, Père Saint-Dieu. Chaque jour est un jour de grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ta bonté nous sera d'appui, mon bien-aimé Père Tissant, quand nous chancelons notre Dieu. Tu es vraiment présent, mon sauveur. Oh, tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. C'est lui qui éclaire nos cœurs encore davantage, mon roi. Par ta lumière, nous voyons vraiment la lumière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci, Père, et sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père Saint-Dieu. Remercions de tout notre cœur pour la gloire et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment exalté et glorifié. Nos cœurs sont donnés à lui et au plus profond de nos âmes, nous voulons le posséder encore. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Merci à notre Seigneur pour encore cette journée d'une année de plus qu'il nous a accordée. La joie de pouvoir avoir encore chacun de vous en ce jour et aussi déterminé aussi de pouvoir les servir encore plus qu'à l'année passée. Nous sommes un peuple qui a pris la décision de pouvoir marcher avec lui et lui donner 100% ce qui lui revient de plein droit. Comme il l'a dit, ma maison est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Nous croyons qu'effectivement que les choses vont profondément changer dans notre adoration, dans notre façon de concevoir les choses pour la gloire de Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui doit dominer, prendre réellement sa place et agir effectivement dans notre vie comme il le veut. C'est cela notre bonheur. Et comme notre précieux frère l'a dit dans sa prière, effectivement, qu'il priait que Dieu le bénisse, il dit, c'est quand nous revenons à toi que nous sommes bénis. C'est quand nous revenons à toi que nous sommes guéris. Donc, revenir à lui, c'est le bonheur absolu, en fait, et marcher. Et c'est vrai, hein, c'est celui qui nous ramène à lui et qui nous accorde cette grâce de pouvoir réellement sentir, réaliser qu'effectivement, que c'est absolument important de revenir. Mais revenir de tout notre cœur à lui parce que Il nous a accordé la grâce de pouvoir réellement entrer dans son alliance et nous plaçant effectivement aussi à un niveau tellement très élevé. Et nous sommes un peuple, et dans ce temps où nous sommes et nous vivons, dans ce monde où nous sommes effectivement, s'il y a un peuple pour qui effectivement que le Seigneur peut encore garder le soleil sur les, dans les ciels, effectivement, eh bien c'est ce peuple-là. C'est tellement important pour Dieu, important pour lui, effectivement, qu'il a mis tout son œuvre en faisant son plan et son programme rien que pour ce peuple-là. Nous remercions notre Dieu. En retour, nous devons réellement lui être reconnaissants et lui être aussi soumis et vraiment à 100%. Nous sommes ce peuple, et dont les Saintes Écritures parlent effectivement, un peuple qui Dieu ne peut même pas supplier que le cœur soit ramené à lui. Dieu ne peut pas supplier effectivement que le cœur puisse l'aimer de tout son cœur, effectivement, parce que ce peuple en question, auquel il prend plaisir, il trouve en fait effectivement au plus profond d'eux en réalité aussi ses désirs que Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit dans le psaume effectivement que la profondeur appelle la profondeur.
S'il y a donc une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Donc, effectivement, comme l'Écriture le dit, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, on ne peut pas le supplier, cette personne en question qui fait partie de ce troupeau, effectivement, aussi de ce peuple, en réalité aussi, pour vraiment désirer, soupirer à ce que Dieu soit le maître de son âme. Et doit, celui qui contrôle, effectivement, aussi toute sa vie entière. Enfin, que l'écriture devienne, effectivement, l'objet de sa vie tout entière. Ce que le désir le plus profond, ce que la parole de Dieu puisse trouver, effectivement, aussi la place, effectivement, dans son âme, dans son cas, s'il n'a pas ça, il y a un problème. Parce que le Seigneur, notre Dieu, achève son œuvre, effectivement, mais d'une manière glorieuse. Souvenez-vous de la question de notre Isaac, effectivement, aussi, qui a posé sa question pour savoir est-ce que le monde entier pourra connaître ce peuple? Est-ce que les gens pourront voir aussi, effectivement, ce peuple? Est-ce que c'est si? Est-ce que c'est si en rapport avec ce peuple? Mais s'il est un peuple qui est précieux aux yeux de l'Éternel, il faut que la terre entière réalise qu'effectivement, alors ce que Dieu désire profondément, qui j'aime le Seigneur, il est vraiment, il ne peut pas rater, ni même faillir, ni même manquer en quoi que ce soit. Je l'aime beaucoup parce qu'il est toujours sûr de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, et au moment où il le dit, et sa parole le confirme aussi, hein, il dit, la chose arrive, lorsqu'il ordonne, elle doit exister. Alors, je l'aime beaucoup, et c'est là que ma consolation, mon assurance, quand il dit lui-même qu'il va se présenter à lui-même, une épouse glorieuse, sans tâche, ni ride. Frères et sœurs, je dors tranquille. Vous jouez vous-même dans les bacs à sable, mais nous sommes déterminés à ce que nous devenions effectivement comme Dieu l'attend, comme Dieu le veut. Oh frère, il y a la Bible qui nous fait savoir que lorsqu'un homme a trouvé un champ, mais dans ces champs-là, il sait qu'il y a quelque chose de précieux, il va vendre tout ce qu'il a. Il n'y a pas une chose qui soit importante aujourd'hui, nous, auquel le Seigneur a ouvert les yeux, que l'on peut considérer comme étant plus important pour moi. La gloire, je n'en ai pas besoin. L'argent, je n'en ai vraiment pas besoin. Oh, les maisons, je n'en ai vraiment pas besoin. Qu'est-ce que vous avez comme... Ce n'est pas moi. Et ce n'est pas moi, la propriété qu'on vous trouve. On en a... Moi, je n'en ai... Nous en avons... Tous ceux qui sont de Dieu, nous n'en avons pas besoin. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher? Je crois que ce que nous cherchons, c'est que dans notre profond intérieur, que l'humilité de Dieu y soit. Que Dieu fasse réellement un travail. Qu'il nous retire tout ce que nous considérons comme étant de meilleur pour nous. Ça, c'est pour le peuple de Dieu, pas pour vous tous. C'est-à-dire que la profondeur du cœur de la personne ressent « Seigneur, dépouille-moi. » Je suis trop chargé, mon sauveur, parce que je ne peux pas partir avec toutes ces charges. Je désire tellement être léger que quand on regarde... Oh, psaume 139, il dit quelque chose ici, je pense au verset 23. Il nous dit quelque chose ici. Dans les psaumes, nous pouvons... C'est cela, oui, je pense que c'est cela qui nous est dit aussi dans cela. Voilà, il nous dit quelque chose, cela, nous dit cela, voilà. Et psaume 139, le verset 23, il dit... Vous y êtes? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vraiment, pénètre-moi, il dit, et puis il dit, éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde, s'il te plaît, pour ton amour à toi, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est le désir profond. Que Dieu bénisse chaque frère, chaque sœur qui a cela dans son âme, qui désire réellement que le Seigneur sonde et éprouve son âme. Qu'il puisse voir, dîner. Si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Parfois, je pense que je suis sur une bonne voie. Dans mes pensées, mon sauveur bien-aimé. Oh Dieu, éprouve-moi et conduis-moi. Tel que sur la voie de la vérité. C'est ce que le psaume 26 aussi nous dit ici. Hein. Cet homme qui nous dit cela, et dans le plus profond de son cœur et de son âme, il crie à l'Éternel, il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Psaume 26 ou 27, quelque chose comme ça. Il dit aussi ici, effectivement, il dit, oui, c'est cela, oui.
Et verset, psaume 26, verset 2, il dit, sonde-moi éternel. Psaume 26, verset 2. Sonde-moi éternel. Éprouve-moi. Et fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Donc il veut vraiment que Dieu tria, que Dieu aille dans le profond de tout. Il dit, Seigneur, éprouve, cherche au plus profond de moi. S'il y a quelque chose que j'ai caché, qui t'empêche toi d'avoir l'autorité dans ma vie, d'avoir la prééminence dans ma vie, Seigneur, je ne veux plus rien de moi-même. Ce que je veux, ce que toi, tu viens dans mon âme à moi. Alléluia. Oui, mon frère, nous sommes déterminés, frère. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ces âmes-là qui sont déterminées à revenir, à mettre Satan et les démons dehors. Mais que Jésus-Christ revienne dans sa maison, mon frère. Allah, il ne peut pas supplier quelqu'un. C'est l'amour de Jésus dans l'âme de la personne qui dit, viens, Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. Oh, il ne va pas supplier. Il connaît son peuple. Il connaît son épouse. Regardez, il dit, oui, oui, oui. Il dit, verset 3, il dit, dans verset 3, il dit, mais, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité, et je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Ça, c'est la décision. Il dit, Seigneur, hier, j'étais quelqu'un de compromettant tout le temps. De quelqu'un de tout à tout à tout. Non, 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 non. Maintenant, stop les tout à tout. Non, 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 non. J'ai pris une décision, c'est de marcher avec le Seigneur. Oh, dis ça, cette fois-ci, c'est déterminé. Ça, c'est un fils, mon frère. Ça, c'est une fille de Dieu, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est celui-là qu'on appelle un élu de Dieu. Il sait effectivement pourquoi il est élu. Il dit, c'est terminé. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je dois marcher comme mon père. Parce que la nature de ce père-là est en moi. Saint, saint, saint. Et l'éternel, notre Dieu. Et il dit, mais c'est ça qu'il dit, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'associe pas avec eux. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô éternel. Pourquoi? Pour éclater en action des grâces et raconter toutes tes merveilles. C'est pour ça, chaque chose que le Seigneur fera dans ta vie, mon frère, ne ferme pas la bouche. Tu dis, j'étais malade, il m'a guéri. J'étais perdu, il m'a retrouvé. Oui, Dieu doit être loué, mon frère, être reconnu, parce que tout ce qu'il fait pour toi, c'est la grâce divine de Dieu. Je témoignerai, je rencontrerai tes œuvres parce que tu es mon Dieu. Tu l'as fait. Pourquoi est-ce que je fermerai ma bouche? Puisque toi-même, tu as dit, ouvre ta bouche et moi, je la remplirai. Pourquoi j'aurais honte? Parce que c'est toi qui fais l'œuvre. Alors, il continue, il dit, éternel, il dit, verset 8, il dit, éternel, j'aime les séjours doux de ta maison. David le dit, je suis dans la joie. Je saute de joie et d'allégresse. Quand on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Oh oui, c'est là que montent les tribus d'Israël, bien sûr que oui. Maison d'Aaron, bénissez l'éternel. Maison de Lévi, bénissez l'éternel. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est Dieu-là qui nous a mis à part. C'est pour que nous servons à sa gloire, à la louange et à l'honneur de ses dieux. Toute notre vie sur cette terre, notre vie n'est que pour le servir. Et nous voulons les servir avec beaucoup de reconnaissance, plus de gémissements. Oh, plus toutes ces choses-là, parce que les gémissements, les plaintes et tout cela sont pour le fils de la rébellion, sont pour la semence du malin. Oui, monsieur, oui, madame. La semence de Dieu ne murmure point. Parce que tous ceux qui murmurent dans les déserts, ils n'étaient pas la postérité d'Abraham, ils périrent dans les déserts. Alors nous ne devons pas être de cette lignée-là. Peu importe la taille de l'épreuve ou de la souffrance, alors nous savons que nous sommes le peuple de Dieu et nous chantons, l'épreuve aura son terme. Je continue la marche, l'épreuve aura son terme.
c'est sûr et certain. Et nous savons aussi que notre Père, notre Sauveur nous a dit qu'effectivement qu'il ne me laissera pas éprouver jusqu'au-delà de mes forces. Amen. Avec l'épreuve, il y a aussi l'ouverture de là. C'est écrit dans sa parole. Amen. Donc nous sommes fortifiés. Amen. Par la foi dans la parole de Dieu. Amen. Nous restons fermes et confiants. Amen. Mon frère et ma soeur, nous sommes déterminés à ce que tous les démons soient dehors, mon frère. Pour que vous, vous soyez en bonne santé. Pour que vous, le peuple de Dieu, vous soyez heureux. Nos genoux doivent reprendre le travail. Oh oui, mon frère et ma soeur. Satan nous a mis tellement avec tout. Il a tellement lancé de somnolence, de comprimés pour somnoler. Non, monsieur, c'est fini maintenant. Nous avons compris. Il est rusé. Il nous a fait endormir, effectivement, pour que toi, tu ne pries pas. Pour que tu ne veux pas les dire. Oui, bien sûr. Maintenant, réveille-toi, toi qui dors. Plus de murmures, plus de plaintes. Mais c'est un peuple qui marche toujours par la foi. Il a dit, mon peuple vivra par la foi. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Ne regarde plus jamais ton voisin. Regarde-toi toi-même. Si ton voisin n'a pas la foi, n'oubliez pas que les fils du malin n'ont pas la foi. Ils sont toujours murmurants, incrédules, effectivement. Et quelqu'un qui est incrédule a dit, on n'en a pas besoin. Nous devons marcher avec ceux qui marchent par la foi. Nous combattons, effectivement, aussi. Et nous soutenons mutuellement. Je vois que mon frère a la foi, mais il est un peu affaibli. Je me mets à genoux aussi pour lui. Je les tiens aussi. On se relève. C'est mon frère, c'est ma soeur. Mais quelqu'un qui est toujours là, se plaignant, murmurant. On a beau prier pour lui, toujours murmurant, priant. Nous voulons qu'il plie bagage, qu'il s'en aille. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'ils affaiblissent toujours les gens. C'est aussi souvent à cause de ces personnes-là. Avec tout leur cœur aussi mauvais, quand on prie pour mal, ils ne sont pas guéris à cause de leur, à cause d'eux. Bien sûr que oui, ils ne savent pas la responsabilité qu'ils portent en fait. Parce que vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, que vous ouvrez les portes aux démons. Les démons ne peuvent pas entrer si vous ne les ouvrez pas les portes. Nous les chassons, mais vous, vous le faites revenir. C'est pour ça que nous devons maintenant prendre une détermination. Nous devons regarder et réaliser le bienfait. C'est un bonheur, mon frère et ma soeur. C'est un bonheur d'aimer Jésus le Christ. Oui, de le servir. J'aime beaucoup ces cantiques que nous chantons. Vous savez, je ne sais pas si vous le chantez aussi, mais jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort. Mais oui, monsieur. Nous ne sommes pas avec de ceux qui sont comme ils viennent effectivement aussi avec un peu. On veut un peu tâter les terrains. Ouf, c'est pas ici qu'il faut tâter les terrains. Nous sommes déterminés à marcher. On n'a plus à supplier papa, maman, fiston ou je ne sais pas moi qui. Vous savez, comme je vous l'ai dit, par la grâce du Seigneur. Le Seigneur va nous aider à être beaucoup plus clair et plus précis pour que vous compreniez quelle marche nous allons avoir cette année-ci. C'est terminé, frère et soeur. Et quand je l'ai dit, vous l'allez entendre, c'est sûr et certain. Frère, ou c'est Dieu, ou c'est autre chose. Mais un choix doit être clair et précis, frère. On a eu tellement des années à jouer avec les choses de Dieu, à pouvoir se permettre de pouvoir dire n'importe quoi et parler, moi, si, moi, chacun, il y a pouvoir de montrer qu'il l'est. Alors maintenant, ces choses vont complètement changer. Nous devons donner à Dieu la gloire qui lui revient. Elle doit récupérer, même s'il faut rester 3 personnes, frère. Oh, je travaillerai pour pouvoir payer. Oui, frère. Même s'il faut 3 personnes, nous resterons ici. Dieu pourvoira. Mais il faut que le Seigneur retrouve sa place. Dans notre vie, dans notre âme, oui. Oh. Comme notre sœur, je pense, Dorélie, le nom de Jésus est si doux. Ah là 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 là. Ça, c'est quelque chose qui va au plus profond de notre cœur. Nous sommes déterminés, plus de camarades. Amen. Il n'y a qu'un seul ami. Amen. Ce seul ami-là, nous devons tous l'avoir. Amen. Oui, nous le chantons. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami. Vous continuez, non? Jésus seul. Jésus, est-ce que vous comprenez, vous entendez cela? Le seul ami, c'est Jésus.
Et il est le seul. Que toi et moi, si moi je l'ai, et toi tu l'as, alors nous sommes amis, frère. Ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Notre amitié ne se fonde que là. C'est ça l'amitié qu'on doit avoir. Lui, il est mon seul ami, mon seul appui. Et il est le seul ami, le seul appui pour toi. Nous avons tous un seul ami. Nous sommes donc des amis. Amen. Que Dieu soit béni. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et Sauveur béni, nous t'aimons au plus profond de notre âme. Nous te supplions, Seigneur, de revenir dans ta maison à toi, Père Dieu, de prendre le contrôle. Tu as souffert, pas pour rien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as été flagellé, Père Tubissant. On a craché sur toi, mon Jésus, mon roi. Je ne veux plus vivre ma vie comme elle allait passer, mon roi. Je veux te servir encore davantage, mon roi. Te donner mon âme, 100%, mon roi. Te donner ce que je suis, mon Sauveur béni. Tu le mérites parce que ce que je suis n'est même pas meilleur, mon Père Saint-Dieu. Pardonne-moi encore davantage, mon roi. Nous sommes déterminés, Père Saint-Dieu, à avancer avec toi, mon Sauveur. Oh, Jésus, mon Sauveur. Les choses ne seront plus jamais. Pareil, Père, nous t'avons abandonné, nous avons joué tellement avec les choses saintes, quelque chose qui te concerne, Père. Maintenant, nous sommes déterminés à revenir à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, dans un respect profond, mon Sauveur. Vraiment, mon Seigneur Jésus. Aide-nous encore, mon Sauveur. Pardonne, mon Seigneur Jésus. C'est ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il y a la restauration des dons purs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, Jésus. Dans tous les domaines, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nettoyage complet, mon Seigneur Jésus. Le caractère. Tu es Dieu, mon bien-aimé Père. Je te remercie pour ce que tu fais. Nous revenons à toi, et sous notre cœur, avec respect, avec crainte, avec tremblement et tes suppliants. Parce que ce peuple ne désire que toi. Nous le sommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Chacun de mes frères et sœurs ici, mon bien-aimé Père Dieu. Le cœur et l'âme les désirent. Même les enfants, nos jeunes sœurs, au début du sang, leur cœur et leur désir de pouvoir réellement te plaire. Il n'y en a aucun, aucune qui Satan peut penser qu'il lui appartient. Tous t'appartiennent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tous tes désirs, mon bien-aimé Père du sang. Leur intérieur t'appartient, mon roi. Leur vie t'appartient. Oh Jésus-Christ, mon roi. Mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, mon bien-aimé Père du sang, Dieu. Mes frères et sœurs ici, mon bien-aimé Père Dieu. Tous t'appartiennent, mon bien-aimé Père du sang. C'est à toi et prends-en le contrôle au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon bien-aimé Père. Oh, qu'ils vivent pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La détermination et la vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils sont à toi, mon Sauveur. Ils sont à toi, Père. Ils ont décidé, ils ont abandonné leur vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et Satan, c'est sa charme pour pouvoir le ramener dans le monde. Il n'a plus de pouvoir parce que tu es réellement Dieu, mon roi. C'est ton peuple à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Que toi, tu t'es acquis. Oh Dieu, a grand prix, mon bien-aimé Père du sang. Tu as versé ton sang. Ma soeur t'appartient. Mon frère t'appartient. Ma jeune soeur t'appartient. Mon jeune frère t'appartient. Leur vie t'appartient, mon roi. Satan ne peut plus avoir le droit. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Qu'ils soient libres, Père, et avoir la foi. Oh Dieu, non pas l'amour pour ton évangile à toi, l'amour de ton nom, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu le mérites, mon Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi. On retrouve véritable, Père Dieu, dans l'intérieur, dans l'âme. Merci, Sauveur. Merci, Maître. Nous croyons, Père Saint. Tu nous as aimés, la Bible dit vrai. Oh vivant, tu nous as vraiment aimés. Gloire à Jésus. Mourant, tu as emporté nos péchés au loin, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as payé pour le péché de mon frère. Tu as payé pour le péché de ma soeur. Tu as payé pour le péché de nos enfants, nos petits-enfants, bien-aimé Père Dieu. Louange et honneur à toi. Ma soeur, tu as payé son prix, bien-aimé Père du Saint Dieu. Mon frère, nos jeunes soeurs, nos enfants, bien-aimé Père du Saint. Chacun d'eux, tu as payé le prix, mon roi. Louange à Jésus-Christ, mon roi. Merci, mon Sauveur. Merci, Père. Tu guéris aussi, oui, Père.
vivant, tu nous as aimés. Courant, tu as emporté nos péchés au loin, mon bénémoine Père Tout-Puissant. Et au thé, effacé, bénémoine Père Tout-Puissant, Dieu. Ressuscité, tu nous as justifié, mon roi. Et nous te sommes reconnaissants. Béni soit ton Seigneur encore ce soir. Oui. Gloire à toi. L'ordre. Le respect, Seigneur. Et la crainte. Ça. On te doit, mon Sauveur béni. Dans tous les domaines, Père, on te doit cela, Père. Merci, Sauveur. Que ton nom soit béni. Tu reçois et tu devras recevoir de ce peuple qui est à toi tout ce qui t'est dû, mon Sauveur. Et combattons et nous sommes déterminés à vivre pour toi, Jésus-Christ, mon Seigneur. Et Jésus de la Bible, mon roi, nous t'aimons encore plus encore. Je t'aime, mon Jésus. Merci pour ce que tu es, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Pour ce que tu fais, ce que tu vas faire encore davantage. Je t'en supplie, aide-nous. Nous avons besoin de toi, de revenir vraiment à toi. Aide mes jeunes sœurs, mon béni, mon Père Tout-Puissant. Mes jeunes frères aussi, Père Saint, à revenir à toi. Au de tout leur corps, mon béni, mon Père Saint-Dieu. La pression est tellement forte dans leur vie, béni, mon Père Tout-Puissant. Mais leur fond intérieur, ils t'aiment, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui libère. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Sainteté à l'Éternel, nous te devons la paix. À toi, la gloire, l'honneur et la puissance. Tout te revient, mon Sauveur. Tout te revient de plein droit et tu le mérites. Et parce que nous t'appartenons vraiment 100%, nous sommes à toi. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit donc glorifié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Grand Dieu te bénisse. Je viens d'avoir une pensée pour notre sœur Dorcas. Elle m'a envoyé un message quand nous venions à la réunion. Ruth, depuis quelques jours déjà, le bébé Ruth ne se sent pas bien. Que le Seigneur se souvienne réellement de notre enfant. Nous avons entendu encore ce soir, c'est auprès de notre Dieu que nous avons la guérison pour toutes choses. Nous allons prier pour notre enfant, que le Seigneur la délivre réellement. Tendre Père Céleste et notre Dieu. Vraiment, comme ton serviteur l'a dit encore une fois, Seigneur, le seul endroit où nous nous sentons vraiment bien, c'est dans ta présence, mon Sauveur. Seigneur, ta présence nous fait oublier réellement tous les problèmes, tous les soucis de la vie, Seigneur, et nous fait rentrer réellement dans une atmosphère où nous vivons et nous passons du temps avec toi, notre Dieu. Tu nous fais du bien, Seigneur. Je te prie avec mon frère, avec ma sœur, pour notre enfant Ruth, Seigneur Jésus, que tu la délivres, Seigneur Jésus. Nous chassons tout esprit mauvais, tout démon de maladie, Seigneur, dans le corps de notre enfant, Seigneur Jésus. Nous réclamons sa santé, Seigneur Jésus. Oh, ton serviteur l'avait prié, Seigneur mon Dieu, le jour où on te l'a présenté, mon Sauveur. Quand la maladie viendrait, mon Sauveur, oh, que tu te souviennes de cet enfant, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit délivrée, Père, et qu'elle soit en bonne santé, que la fièvre puisse la quitter. Que toutes les douleurs qu'elle peut ressentir, que notre enfant soit en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Régis le cœur des parents, Père. Accorde la grâce et la paix. Nous te bénissons, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons remercié et prié, Père. Amen. Numéro 150 dans les fardes. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière viendra les ombres à cette heure.
ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cet homme. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques, mais je sais que joignons ma voix au saint cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignons ma voix au saint cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais. Sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Et regarde, Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Levons-nous, s'il vous plaît. Pour moi, s'ouvre le ciel. Et regarde, Jésus